受け切る凱旋門ディフェンスだ。音もなく狩るサイレントボレーシュートだ。Hey les amis, c'est Letko, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Captain Tsubasa Dream Team. Nouveau joueur inédit, après Aokaeten avec les Italiens et un Uruguayen, je crois que c'est, j'ai oublié leur nom, Achille ou j'ai oublié, Gardel, je crois le gardien. Juste Hidalgo et Jean-Baptiste Hugo, voilà, le gardien Jean-Baptiste Hugo et juste Hidalgo, le joueur qui est à gauche, le blond, et bon, Genzo, que vous connaissez tous, je vais pas faire l'affront de vous apprendre qui c'est Genzo Wakabayashi, le gardien emblématique de Hambourg. La nouvelle génération d'Europe, voilà, nouveau joueur inédit, donc ne les cherchez pas dans les mangas de Takahashi Sensei, vous ne les trouverez pas, donc c'est des joueurs exclusif à Captain Tsubasa Dream Team. On va voir ça tout de suite et normalement je pense qu'on va faire une vidéo invocation, on va faire le palier complet. J'ai des Dream Ball, j'ai même des Dream Ball pour l'anniversaire et en plus je crois qu'on va avoir des... Apparemment je crois qu'on a 80 Dream Ball en tout, je crois, on a 50 plus, je crois 30 de visionnage du Dream Championship. Je savais pas qu'il y avait des... je savais pas qu'il y avait des Dream Ball pour visionner le Dream Championship, donc pourquoi pas. Allez, c'est parti. La musique qui n'a pas changé en 3 ans. Ce qui aurait été bien, c'est de mettre la musique de fond qu'on préfère. Voilà, t'as la bibliothèque de BGM, c'est comme ça qu'on appelle BGM, et que tu choisis. Ok, allez, c'est parti. Donc, palier, juste 6 paliers. Donc, un joueur garanti, un nouveau joueur garanti. Et ça sert donc soit le Genzo, soit Hugo, ou soit Hidalgo. Voilà, ils sont là. Ne vous inquiétez pas. On va les détailler. Voilà. Hop, on va faire info accueil. Alors, qu'est-ce qu'on a? Campagne de cadeaux d'autographe des doubleurs. Ah oui, 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 c'est d'accord. 10 vainqueurs seront tirés au sort du 13 au 19. Ok, donc c'est aujourd'hui. Dream Collection. Donc oui. Oui, oui, c'est vrai. On a le nouveau Dream Collection, c'est Goethe, l'allemand. Donc, si vous jouez Europe, comme mon ami... Bah voilà, il est tombé. Mon ami Atsushi, dédicace à mon frère Atsushi. Goethe, voilà. Donc, qui sera là le 20, je crois que c'est le 20. Le 20 ou pas? Bah, attendez, on va les voir. Ça, on a déjà vu. On va commencer par ça, hop. En plus, il aura sa TS principale, level 5. Alors... Non, le 17. Voilà, le 17 à 8h. Voilà. Donc, il donne 15% à tous les joueurs non japonais. Bon. Ah, c'est un super sub. Ok, il a le passif super sub. Roulette et passe. Tir perçant. 17 743 en attaque. Physique, il est pas mal. 19 000 en physique, ça peut être pas mal. Lien, s'il y a au moins 4 joueurs européens par mètre pour 3. Bah ouais, bah, pour Atsushi, il lui faut en fait. Face au défenseur, il prend plus 15%, donc ça lui fait 65% s'il entre en deuxième mi-temps, ça peut faire mal. Réduction de 20% des effets d'émission, hein, donc il a un shield. Donc après, on a As qui vient de sortir, qui sera en write-up. Igawa qui sera en write-up. Et le Hino. Voilà. Là, il peut être intéressant hein, pour les ça là, le link là, ça peut être intéressant pour ceux qui jouent Europe. Donc, je pense que mon petit frérot Atsushi risque d'aller peut-être le chercher, mais comme on sait, le Dreamco c'est très compliqué les gars. Hein. C'est 5%, mais 5% falche en fait. Hein. 5% Aldi les gars, hein. c'est pas du vrai 5%, j'ai l'impression. Ok, allez, on va fermer tout ça. En tout cas, t'es stylé là. Là, comment ça s'appelle là? L'intro. Voilà. Merci. Voilà, 50 Dream Ball, ça fait plaisir. On va les utiliser pour cette vidéo. Hein. Qui a très très bon maillot. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, les gars. Dédicace aux Marseillais.
Dédicace au Marseille, voilà le maillot du PSG, voilà Paris Espoir, il s'appelle comme ça. Donc vu mon amour pour ce club, forcément je vais aller chercher un des deux. Hein. On va voir au moins s'ils valent quand même le coup, quand même, parce que si on claque des Rimballs juste pour la carte, c'est vrai que moi avant moi j'étais un peu comme ça. Ouais, j'étais un peu comme ça. 50 Rimballs, on a des ballons SSR pour le catch, le coup de poing, la frappe au sol, interception, reprise balle haute et générale. Voilà. Yola lo presento. Merci. Ah oui, c'est vrai qu'ils vont nous donner deux joueurs. Bon, c'est des coffres, hein, on va pas s'extasier. Mais après, peut-être on peut aller checker, voir ce que ça vaut. Voilà, au moins les a. Par contre, ce qui serait cool, les amis, c'est ce qui serait cool. Première fois gratuit? What? Ah, donc la première mutée est gratuite. Oh, c'est bon ça. C'est bon. Allez, on va les prendre. Voilà, 831, on est large, on est pas mal pour l'anniversaire qui arrive. Qui arrive, hein. Ça arrive, les gars. Ça arrive. On va chercher le bonus. Vu que j'ai pas checké à 2h du matin la mise à jour. D'accord, merci, Sanae. Très gentil. Très sympathique. Allez, on prend ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ok. Bon, de toute façon, les gars, je vous laisse checker. Pas de soucis. Moi, par contre, j'aimerais bien avoir le maillot du PSG. Là, je vous cache pas, les gars. Ah, médaille élite. Donc, un nouveau event à farm. Voilà. Donc, 30. De toute façon, c'est comme d'habitude. Hein, 30, 100 pour la formation. La formation japonais, 10%. Donc si tu joues Jap, faut que tu ailles la chercher. Ouais, si tu joues pas Jap, OZEF complet. Tac, tac, tac. Et on va voir ça. Ah, des interceptions A pour Mickaël et notre ami Raphaël. On a un peu de Jap. On a... Ouais, bon, ok, d'accord. Ok, Misaki. Tac, tac, tac. Ok. Je sais même plus où est-ce qu'on les achète. Ou peut-être qu'on peut les gagner si on fait l'event. Attendez, on va aller voir. On va aller voir. C'est peut-être dans mission. Peut-être dans mission, on peut peut-être les débloquer les maillots. On va voir ça tout de suite. C'est la fête des supporters du PSG. Alors, je fais une dédicace aussi à mon ami Nicolas Gaming, hein, qui est grand fan du PSG comme moi. Hein. Voilà. Grand fan du PSG. Non, ils sont pas là. En tout cas, si vous savez où est-ce qu'ils sont les maillots du PSG, etc., en commentaire, ça m'intéresse, les amis. Ça m'intéresse. Bon, allez, on va tergiverser longtemps. Attendez, juste un truc avant qu'on commence. Ah oui, il y a le World Challenge. Là, on peut gagner des Dream Ball et des TS, AS, pardon. Ok. Pas mal, le World Challenge, c'est pas mal, c'est sympathique, c'est bien. Tac, tac, tac. Attends. On va voir combien... ok. Donc là, on peut récupérer que 4 Dream Ball. Bon, on va pas faire la fine bouche, on vient nous offrir 50. Donc, on peut avoir 54 aujourd'hui. Ok. Au moins, tu vois, les pièces élites, c'est bien. Au moins, tu as le cuivre, l'argent, et alors là, tu vois bien, tu visualises bien les pièces. Parce qu'il y a des events, le cuivre et l'or se ressemblaient et trop. Et c'était super relou. Ok, donc 4 Dream Ball à récupérer ici. Bon, on va aller voir les joueurs, les gars. On va aller voir les joueurs. Je pense que c'est ça que vous attendez tous. Donc, bon, gratuit, je pense que tout le monde va la faire. Allez. On va commencer par le gardien Hugo, Jean-Baptiste Hugo. Bleu, 1091 en endurance. France Espoir, donc Europe. Hein, Europe. 7786 en coup de poing. 9354, c'est pas mal. C'est très fort. C'est très très fort. 19305 en physique. 7002 en technicité. Et puissance un petit peu faiblard, mais voilà. Ok. Alors. Super cohésion, 20% bleu, non jap. Donc vous savez ce qu'il vous reste à faire. Si vous jouez non jap bleu et que vous dites qu'il vous manque une super cohésion. Voilà. 20% de full body stand. Pas mal. Pas mal. Face aux gros tireurs, ça peut être pas mal. Défense arc de triomphe. J'aime bien le nom qu'ils lui ont donné.
485 par contre face à un métal fantôme ou un gros tir surpuissant, je sais pas. Super coup de poing, celui-là on le connaît les gars, 360. Le marteau parisien 350 aussi à 80, arrêt à une main pour les tirs faiblards. Ok, on va aller voir le HA. Donc au moins 3 joueurs non japonais de type bleu, plus 2% pour tous les joueurs. Donc ça c'est bien, c'est cohérent, c'est logique, parfait. Donc il résiste aux flaques d'eau, etc. Et il remplit la cage de full power de 20%. Voilà. En réussissant une parade, voilà. Voilà. Donc si vous mangez des tirs, votre full power se remplit super vite. Ça fait plaisir. Non, il est pas mal. Il est pas mal notre Jean-Baptiste Hugo. Allez, juste Hidalgo. Donc juste, comme vous le savez, dans le... L'arc de triomphe calme. J'aime bien le nom. L'arc de triomphe calme. Juste Hidalgo. En fait, les mecs, ils ont fait un mix entre Juste Fontaine, une légende du football français, hein, le meilleur buteur d'une Coupe du Monde. En une seule Coupe du Monde, 13 buts. Ça n'a jamais été dépassé et ça va être très compliqué à dépasser. En 58, si je dis pas de bêtises, en 1958, 13 buts. Michel Hidalgo, qui était un mythique sélectionneur de l'équipe de France, qui gagne, je crois, l'Euro 84, si je dis pas de bêtises, et qui a entraîné des Platini, qui a entraîné des gens Tigana, des Luis Fernandez, Marius Trésor, etc., etc. Donc, en fait, les mecs, ils ont fait un mix des deux. Voilà, juste Hidalgo. Ok, 1144 en endurance, 22698 en attaque, 7516, voilà, en dribble, 8814 en tir, 6368 en passe. C'est bien, mais c'est pas fou. C'est bien, mais c'est pas fou. De toute façon, on va essayer de voir à côté si on peut augmenter tout ça. 14000 en défense, 5007, 2900 et 5003. Bon, c'est pas avec lui que tu risques de bien défendre. 20113 en physique, là, ça peut être pas mal. Là, c'est pas mal du tout, même, j'ai envie de te dire. 7151 en rapidité, 7341 en puissance, ça, c'est pas mal du tout. Franchement, pas mal, pas mal, pas mal, pas mal. Allez, on va voir à côté. Donc, lui, il a super cohésion non-jab vert. Voilà. Tueur de défenseur. Ah, là, ça peut peut-être faire la diff. Tueur de défenseur et de gardien. Ouais, donc faut le jouer attaquant. Voilà, bon, il est double, j'ai oublié de le mentionner, il est attaquant milieu offensif. Donc là, je pense que, ouais, il vaut mieux jouer attaquant, attaquant, quoi. Ouais, voilà. Tir en volée silencieuse, pas mal, c'est une TS qui est disponible sur la chaîne YouTube de Club, si vous voulez la voir. Coup de genou d'acier, je l'ai vu, ça ressemble beaucoup au tacle coup de genou de comment il s'appelle, de Hino. Donc c'est pas mal, dribble grande vitesse, je crois qu'on connaît tous, c'est tacle glissant rapide, on connaît. Donc 470, 480, pourquoi pas, pourquoi pas. Ensuite, allez, au moins 3 joueurs non jap vert, plus 2%, classique, très bien, résistant à la pluie, résistant au terrain cabossé, il a un shield, il scelle une technique spéciale de l'adversaire lors d'un duel, donc peut-être, enfin je pense qu'il scelle une technique d'un gardien de but aussi, donc c'est pas mal, il est pas mal le Juste Hidalgo, là c'est pas mal, et tu en endurance, plus 15%, wow. Pas mal. Pas mal, pas mal. Si je dois chercher un joueur, c'est peut-être lui, là. On n'a pas encore vu le Genzo. D'ailleurs, on va voir tout de suite, rouge. Pas mal, pas mal. Genzo Wakabayashi, celui qui veut devenir le meilleur gardien d'Europe. Voilà. 1074. Endurance. Il est un peu gros, le Genzo. C'est Gresso. Gresso, 16743 en parade, donc 7000 en coup de poing, 9628 en arrêt, c'est très fort, très très fort. Donc lui, je pense que c'est super cohésion, rouge jap, c'est ça. Et ben c'est ça. Ok, tueur d'attaquant, plus 15%. En fait, ce qui est marrant, c'est que si je mets Hidalgo face à Genzo, les deux passifs s'activent, mais après, vu que Genzo a l'avantage du type, il est rouge, l'autre est vert, je pense que Genzo devrait l'arrêter.
je pense que Gunzo devrait l'arrêter. Ouais. Arrêt GGK qu'on connaît bien, 475. Donc si vous pouvez essayer de chercher l'arrêt le plus puissant, c'est celui du Dreamfest V2, je crois. Le Z est égal, je sais pas quoi là. La formule mathématique. 440 coup de poing SGGK, on connaît très bien. Arrêt de main. Bon. Genzo, vous pouvez le mettre tous les arrêts A, C, ce que vous voulez, il n'y a pas de problème. C'est vous qui voyez, les gars. Au moins 5 joueurs. Intéressant. Au moins 5 joueurs de type. 5 joueurs de type vert. Bon, là, on parle pas de Jap, on parle pas de non-Jap, mais là, on parle de type couleur. Ouais. Bah, si vous jouez vert et que vous avez. Il vous manque un vrai gardien, peut-être ce Genzo peut vous intéresser, les gars. D'accord. Pourquoi pas. Résistant à la puce flaque et tueur de joueurs club. Ah, pas mal. Je sais pas si la méta est vraiment club en ce moment, mais. Ouais. Pas convaincu par le projet. Et les médailles Genzo qu'on a depuis extrêmement longtemps, que vous allez pouvoir le terminer assez rapidement, puisqu'il n'y a que 3 compétences potentielles. Donc voilà, j'aimerais juste avant qu'on fasse les invocations, les amis, on va aller voir. On va aller voir les joueurs gratuits qui nous ont offert. On va voir qu'est-ce qui va là quand même. On va pas. Alors, répertoire joueur. D'ailleurs, je sais même pas où est-ce qu'ils les ont mis les tout nouveaux joueurs. On va essayer de voir. Bon, de toute façon, si je vois un maillot du PSG, je m'arrête. Peut-être que je l'ai passé, hein, ça se trouve. C'est pas impossible. Mais logiquement, il devrait être vers la fin. Ah, ils sont là. Ils sont là, les beaux gosses. Allez. Oui, collection. Allez, là, le. On va prendre le UR Max. Hein. On va pas se prendre la tête. Alors, 993, ouais. Ah, quand même! 9228 en coup de poing, c'est pas dégueu. C'est pas dégueu pour un joueur gratuit. Ok, super, super cohésion, 15% non jap, d'accord. Coin incendiaire, ok. Ah, c'est bien, on peut récupérer le marteau parisien S. Et je crois que là, je sais pas si là le marteau parisien S, le UR normal. Attendez, on va voir. Marteau parisien S. Attendez, on va voir s'il est là. Non, bah voilà. Vu qu'il vous en donnait 2, bah vous pouvez donner à manger à celui-là. Comme ça, vous avez plusieurs trucs S. Ou sinon, vous gardez le A et vous rajoutez le S. Comme ça, vous économisez de la stam. Ouais, pas mal hein, pour un joueur gratuit. Bon, bien évidemment, ça vaudra jamais le joueur SSR classique. Hidalgo. J'aime bien la carte d'ailleurs. Alors. Non, attends. C'est, ouais, ah oui. 1046. Pas mal. 8000 ans. Quoi? Attendez, les amis. Quoi? Attends. Il y a un truc que je comprends. 22 000 en attaque, 8 200 en dribble, 9 000 en tir. Attends, le joueur gratuit a plus de tirs que le joueur invoqué. C'est une blague, il y a un problème. Bon, en défense, c'est une merde. Voilà, faut le dire clairement les choses. Passe, c'est une merde aussi. Mais wesh, il y a un problème là. Bon, il a pas de passe, enfin, il a pas de HA et tout. Mais wesh, il a 9 000 frère. Il a 9 000. Il est plus fort. 22 000 en attaque, il est plus fort. En physique, c'est pas trop mal aussi. Bon, par contre, ouais, la puissance, ça sert. Voilà. Ah ouais, mais ouais, il a pas de tir. Il a pas de tir balle basse. Il a que le tir du genou d'acier S. Il a la passe en profondeur et l'interception S. Mais wesh, il a. Ok. 15% pour les nojas. Ok, ça on connaît. Et tir d'endurance, 30%. Wesh, il. Mais franchement là je suis un peu sur le cul les gars. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez du Hidalgo au coffre, mais. Wesh, le pied gauche insubmersible, ça c'est pas mal ça. Déjà tir du gauche ça c'est bien. Et là je suis un peu sur le cul les gars. 22 000. Attends, il a 22 121. Putain mais il se ressemble beaucoup.
Attends, l'autre, il est plus fort en dribble, il est plus fort en tir. Bon, tu me diras, c'est vrai qu'en physique, l'autre, voilà. Mais... Et désolé les amis, hein, peut-être que je prends un peu de temps, mais là, je... Ouais. Ça fait un peu la diff, ça peut faire la diff, ça. Celui-là, il l'a, S. Ouais, voilà, il tire en volée silencieuse. Ouais. Eh ben, on a bien fait d'aller les voir, les amis. On a bien fait d'aller les voir. Franchement, si vous reroll, pour commencer, c'est pas mal. Pour commencer, c'est pas mal. Satoshi Inno, voilà la voix. Pas mal. Ouais, Gardel et Romano. Ok. Ça fait combien de temps là? 20 minutes. J'ai même pas encore lancé les invoques. Mais là, les amis, je suis vraiment un peu sur le cul là. Bon bah, je vise plus le ouais, le Hidalgo. Même si moi, je joue plus non-jab bleu. Hein, j'ai une belle équipe non-jab bleu. Peut-être en gardien remplaçant à switcher avec Espadas. Pourquoi pas. De toute façon, dans tous les cas, je vais être content. Mais je vise moins le... Celui que je vise le moins, Genzo. Voilà. C'est vraiment celui que je vise le moins. Faut voir s'il n'y a pas autre chose. Ah, le mini Dreamfest. Donc voilà, avec le Brolin. Le Razen Brick, je crois. Je sais pas quoi. Ou le... Attends. Non, le Klinsmann. Et le Alain Pascal. Ah, bah écoute. Bah vas-y, on va la faire l'invocation MDB. Je sais, j'aurai rien. On n'aura rien. Voilà. Misaki Blanc. Misaki Junior Youth. Mais c'est un peu nappe, hein, ce qui est en train de se passer est un peu nappe. J'ai essayé d'aller chercher le Ishizaki. J'ai pas eu le Ishizaki au palier 5. Moi, palier 5, je m'arrête là. Voilà, je vais pas aller le chercher. Ça sert à. Enfin, pas que ça sert à rien, mais. Mais voilà. De toute façon, moi j'ai jamais eu de gros le Ishizaki Dreamfest, j'ai jamais eu. Chance, 4 pigeons, what? What? Non. Ok. Bon, bah les amis, on va y aller. Ah, il y a le... Bon, je le fais en off, ça. On le fait en off. Déjà que la vidéo a duré un peu trop longtemps. Bon, il y avait beaucoup de choses à dire aussi. Eh ben bon, on va y aller. 830 dB, on va voir à la fin combien il nous reste. Bon, ça pue. Hein. Allez, on skip. Ok. Allez. Ça pue aussi, ça pue aussi. Allez, on saute. Non, je me fais un peu plaisir aujourd'hui. Oh, voilà, je me fais un peu plaisir. Et c'est ça garanti. Allez, si j'ai le Hidalgo, je m'arrête. Flèche Rimbo, bien évidemment, aucun suspense. On va laisser, ça fait toujours plaisir. Ça fait toujours plaisir. Même 3 ans après, ça fait plaisir. Par contre, tu peux m'en donner 2, je cracherai pas dessus aussi. Je cracherai pas dessus. Dommage. Allez. Ce qui est marrant, c'est qu'il donne un SR garanti avant la 50%. C'est magnifique, ce jeu est magnifique. Mais bon, c'est bien. Allez, on va voir si on... Une chance sur deux d'avoir un SSR. Ça pue. Ça pue clairement. On n'est pas dans les bons 50%. Allez. Avec un bonus.
chance. 5 pigeons, flèche bleue. Bon. Allez. Ouh, souvenir bleu. Souvenir bleu. Bon, personne. C'est bien. Lui gauche, je suis content. Je suis content. Maintenant, j'ai peur d'avoir un doublon. Voilà. On est content, on est content. Ce qui serait génial, génial, c'est d'avoir le Hugo. Là, j'aurais braqué le portail. C'est pas mal, hein. Eh, je l'ai eu, même pas garanti. Hein. Là, joueur garanti. Et on aura terminé la vidéo. Il nous restera 590 Dream Ball. Allez. Maintenant, il y a une grosse chance. Il y a une grosse chance d'avoir un doublon. Mais allez, j'espère le Hidalgo quand même. Allez, le Hidalgo. Fais-moi plaisir, s'il te plaît. S'il te plaît. Allez, les waifu, faites-moi rêver. Onegai. Si tu pouvais me faire péter un deuxième, ne t'interdis rien. Voilà! Voilà! On a braqué le portail, les gars! On a braqué le portail! Ah là là, je suis content. Ah, en plus, le maillot du PSG est magnifique, les gars. En plus, le maillot, je crois, 96. Je crois que c'est 96, si je dis pas de bêtises, ou 97. Là où j'ai commencé à aimer le PSG, d'ailleurs. Ah, je suis content. Bon, après, les joueurs sont pas complètement fous furieux, mais pas mal, pas mal. Pas mal, pas mal, pas mal. Eh ben, au moins, j'ai pas dépensé mes Dream Ball pour rien. C'est bon, juste ce que je voulais. Parfait, on sort de là. On sort de là, les gars, on sort de là. On sort de là. Je sais pas pourquoi je fais toujours ça, mais bon. Je pense que je suis pas le seul à le faire. Je crois que je suis pas le seul à le faire. Voilà, hop. Tac et tac. Voilà. Hop. Non, c'est pas ça que je voulais faire, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Allez, 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 allez. Comme ça, on va te sécuriser. Hop, hop, hop. Voilà les amis, c'est là-dessus que la vidéo se termine. J'espère que vous allez drop ce que vous voulez si vous invoquez. Sinon, bah, l'anniversaire arrive vite, donc 590 Dream Ball. J'espère atteindre les 700 avant d'arriver, mais ça va être compliqué parce que là, il n'y a pas beaucoup de Dream Ball à aller chercher à gauche, à droite. Donc on va être à peu près à peut-être 650, peut-être. Peut-être 650. Voilà, c'est là-dessus qu'on se laisse. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, très important, c'est gratuit, ça mange pas de pain. Le gros pouce bleu pour Hidalgo et Hugo. Et moi, je donne rendez-vous pour une prochaine vidéo, Captain Tsubasa Dream Team. Prenez soin de vous, prenez soin de vos Dream Ball, et à la prochaine. Ciao!